Bonsoir à toutes et à Bonsoir à tous, toutes et à bienvenue tous, dans ce bienvenue nouvel dans ce épisode nouvel de épisode Europa Universalis 4 4 en multijoueur avec notre ami la Ligue Celtique. Bonsoir Tibbs, bonsoir Damned. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et donc on se retrouve pour pour gérer les Irlandais, hein, n'est-ce pas? Ah putain, qu'ils sont cons ces Irlandais. En même temps, ils habitent dans une forêt, ils sont obligés d'être un peu résistants, quoi. Ah ouais, ils sont un peu résistants à tout, surtout à l'intelligence, au cerveau, à la culture. Un bosquet, s'il te plaît. Hein. Oui, un bosquet, ce n'est pas une forêt, c'est un bosquet. Un bosquet, c'est vrai. Un grand bosquet, à la limite, maintenant. Bon, donc on était en état de banqueroute, de retard technologique, d'infériorité numérique. Mais sinon, on bien. A pour nous... Moi, je trouve que tout se passe bien, moi, on est on est a pour nous des alliés. Voilà. Pour moi, j'ai mes alliés. France-Castille, normalement, je suis pas trop emmerdé. Ouais, j'ai décidé d'écouter d'ailleurs les viewers qui m'ont dit augmente le niveau de ta capitale parce que sinon en 1800 t'es toujours au lance-pierre quoi. Donc j'ai augmenté le niveau de ma capitale comme vous l'avez demandé. Et puis on va essayer de se préparer tranquillement pour une nouvelle guerre contre les maudits anglais. Eh oui. Dans si vous le voulez bien. Dans 3 ans, la fin de la trêve, il va falloir qu'on emmène la France direct sinon elle va y aller sans nous je pense. Il y a moyen. Ouais. Certes, certes. Bon bah écoute. Alors on m'a proposé également de comment de changer les noms des provinces parce que c'est la merde. Ah oui, c'est ah oui. Vrai. J'avoue que ça pourrait être bien parce que est-ce que tu peux venir me soutenir? Je vais avoir des rebelles au Death Mumin, Mumin. Ah, au moins c'est drôle quoi. ouais c'est drôle mais c'est relou. Après ce qui pourrait être sympa c'est que tu renommes les provinces avec les noms de certains de tes viewers. Tant qu'à ah non. faire. Ah oui, non parce que sinon là c'est. Ah ça va être l'orgie là. Ah ça voilà, drôle. Ouais, mais bon, j'ai les viewers, si tu veux, j'ai genre le fromage qui. Ça me plaît pas comme. J'en ai certains qui sont pas tout à fait. Ouais, d'accord. Moralement aussi supportables. Bon, enfin bref, allez, ça je relance. Ça sent parti. Le strike après, quoi. Ah oui, il y en a certains, oui. C'est complètement ouais, le strike ouais, direct. Ouais. Bon. Direct. J'étais en train de recruter des troupes, moi. La vache, je me sens plus, là. C'est la teuf. Alors, donc moi, je recrutais pas. Par contre, je risquais d'avoir. Donc des rébellions. Ouais, normalement il en reste plus qu'une à gérer, je crois. Chez toi. Ouais, il en reste plus qu'une à gérer normalement. Ah oui, j'avais dit que j'allais augmenter de toute façon Cork, ma capitale. Enfin, ma capitale guillemets vu la gueule du truc. Attention, mais... hein, une forêt avec 10 de développement, un bosquet. On va monter. C'est quand même presque Brocéliande, quoi. Ah putain. On est à 15, 16. J'aurais pas trop en retard par contre au niveau militaire, donc on va y aller mollo. Militaire, pour l'instant, on n'est pas si mal. Hein. Est-ce qu'ils ont pris la Renaissance, là, les autres cons? La France, non. L'Angleterre, non. Oh, c'est pas si mal. Ouais, puis ça va certes. Lentement en Angleterre aussi. Hein. Mais là, je suis à combien, là? Je suis à putain plus 17. Mais dès que je l'aurai prise, il faudra qu'on fasse un partage de connaissances. Je sais pas si je peux donner un prix, mais je vous le ferai gratos, quoi. Mais... pour que ça aille plus vite, non, parce que... je sais pas, c'est la loose. C'est la loose totale, alors... Moi, je peux la prendre, mais il me faut du blé, quoi. Et bon, il se trouve ouais, que... Ouais, bah, de toute façon, le blé, ça va être le nerf de la guerre dans cette série. C'est ça. Ah bah. Pas par rapport aux autres séries où c'est pas le nerf de la guerre, je dirais. Je te fais pas dire. Alors, j'étais en train d'améliorer mes relations avec la Bretagne. Ah ouais. Oui. Bah, merci. Oui, mais non. Enfin, c'est pas que... Je suis pas bien sûr que ce soit ultra intéressant techniquement, mais. C'est pas le plus utile. Ouais, on a 3000 hommes sur Nantes. Du coup, elle pète bientôt ta rébellion 5, putain, ça m'entend encore. Oh oui, ça va péter. Je suis à 80% donc. Ils sont nombreux, il faut que je paye mes troupes pour venir. Alors, aider. Ils sont 7K. Oh, ça va, je suis 7K moi aussi. Donc, si tu veux, tu peux rentrer chez toi. Ouais, à 14 000, vous devriez vous en tirer. Ça devrait le faire, ouais. Allez, on va réarmer. Il reste un général ou on était vraiment trop. Ah ouais, on a pas de généraux non plus, putain. Bah, moi j'en ai un, mais. Bon, j'en nommerai un juste avant alors, hein, parce que. Allez, je vais faire plaisir aux viewers, je vais utiliser le déplacement automatique des troupes avec les flottes. Ouais, t'as vu, parfois ils sont tatillons. Hein. Ah ouais, l'optimisation c'est important. Et cela dit, voilà, on voit, hein, ils rentrent pas dans le port, ils restent tranquillement là et il faut qu'on monte dedans quoi. Donc bon, à un moment. C'est pas forcément optimal. Hein. Non.
Voilà, donc bon, je vais avoir un super cork. On va aller au Cotentin, tiens, tant qu'à faire, histoire de limiter un peu le... Bah, si vous pouvez du coup en profiter pour avoir un peu moins de pognon, enfin de d'emprunt, faut pas hésiter. Ah, ça serait bien ça. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Bordel. Il est mouru. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est mort. Mais bon, c'est pas heureusement, c'est pas CK2. Un nouveau duc. L'héritier 054. Ouh, la teuf. 2, 2, 3 et réputation diplomatique moins 1. Ah bordel. Truc de merde. Bon bah écoute, diplomate, tu vas revenir et puis on va voir si on n'a pas des mariages à refaire. On avait un mec pourri, maintenant on a un mec pourri. Voilà. Comme ça, dites-moi. La Castille, elle est. Comment? Elle voudrait bien attaquer l'Angleterre. Ah ouais, alors qu'on est encore en trèfle. Sans rival. Ah oui, ils sont rivaux. Donc peut-être que je pourrais en profiter le moment venu. Effectivement, c'est intéressant. Oh putain. Ouais, c'est intéressant, je trouve aussi. Ouais. Bon, ah, 80%, c'est long, les mecs. C'est long, c'est très très long. Le mariage royal avec la France, on va le refaire aussi. C'est très très long, ça coûte du pognon tout ça là. Ah oui, 0,25 notre consort. Putain, donc dans cette partie, on va être pourri en admin. Je crois qu'il y a pas. Ouais, je vais monter à vitesse 3 parce que de toute façon, il n'y a pas de bataille. Ouais, bah, ça va péter, de toute façon, ça va être nettoyé, donc... Non, perdez 10 ans en prestige. J'ai des even, tu sais. Faites ça, ou alors prenez 25 régiments sur la gueule. Bon, bah, faites ça. Oh la vache. Comme ça pique. Bon, les bateaux, vos gueules, merci. Ah, mais du coup, maintenant qu'on a perdu de la stab, ça va commencer à vraiment gueuler dans les provinces, quoi. Fait chier. Le gouvernement doit se stabiliser. Bon, bah... Point. Indépendance de la Normandie, non mais où est-ce qu'ils ont vu ça? N'importe quoi. Soulio de Coetmen. Ah bah voilà, mon conseiller, c'est un bon breton. Plaît-il? c'est le nom de mon conseiller, je suis désolé. Ah d'accord. Non mais c'est pas grave. Est-ce que t'as bien senti le tréma sur le E? Il y a vraiment pas de mal. Bon, bah je crois que de toute façon jusqu'en 42 on va pas faire grand chose. Hein. Ça serait cool de pouvoir prendre une doctrine par contre, mais... Oh bah moi j'en suis absolument pas là, moi je suis à 4-5-5 là. Je suis complètement aux fraises, je suis en train de développer ma capitale de toute façon. Ah, je peux changer d'édit. Encouragement au développement, non. Accroissement de la modernisation, oui. Le trait avec le Portugal a expiré. Parfait. Je voudrais pas arrêter de gueuler ici. Est-ce qu'on peut faire des revendications? Alors, une petite revendication sur... Pas vraiment. Sur Calaisis, tiens. Non, sur Co, c'est mieux. Oh là là. Est-ce qu'on gagne des sous? Non, je me disais, on va peut-être prendre un conseiller, mais non. Très très mauvaise idée. Ouais. Bah, je suis monté à 2,5 de revenus, là. Ah, pas mal, je suis à 0,38 moi. Si je paye l'armée, ouais, non, c'est le drame. C'est le drame absolu. Qu'est-ce qui me coûte aussi cher, là, sans déconner? Ah oh, putain, je suis à 2,12. 2,12. C'est bon, 2,12. Ouais. Ça pourrait être 1,1,1. Oui, non, mais ça pourrait être pire. Faut toujours voir les choses comme ça. Ça pourrait être moins vrai. On a déjà eu des triples zéro. Oh non, j'ai perdu mon héritier, j'en ai encore plus pourri. Non mais c'est quoi cette blague là? Ça suffit les conneries ou pas? Oh, on a un cardinal. Bah je l'ai pas vu venir celle-là. Ah bah c'est un peu comme la... Pardon, un peu comme la rébellion. Je l'ai pas vu venir. Bon bah d'ailleurs en parlant de ça, on va retourner améliorer les relations avec le pape. Ouais, pareil. Mon très cher Saint-Père. Triste nouvelle. Merde. Allez, on part faire un mariage. Ouais. Où est la Bretagne? Quoi? Fait-il? La France? Il est avec qui ce con? La reconquête bourguignonne de Charolais contre la Bourgogne. La Hollande. Ah oh non, il y a la Castille. Oh la louse. La Castille. Quoi? La Bourgogne est allée à la Castille. Oh.
tellement faire de Ah ouais, bah je suis. Allô, allô, je passe sous un tunnel. Que dites-vous? Que dites-vous? Je crois que votre messager s'est perdu en route. Bon bah je vais accepter, moi je peux pas me permettre de perdre la France. Je crois que la connexion a planté. Ah là, c'est dommage. Oui, moi j'ai dit non. On a dit non. Ah la vache, putain. A-t-on dit non? Bah j'étais en train de négocier une alliance avec la France. J'ai bien fait de pas aller au bout en fait. Bah moi je viens de la négocier. Ou au pire, je vais passer pour un fumier. Allez, on est reparti. Ah mais je peux pas payer mes troupes, France, t'abuses. Où sont mes bateaux? Bateaux. Ah putain, mes bateaux. Bataille navale terminée. Bah oui, tu m'étonnes. Cassez-vous. Quel horrible merdier. Tirez-vous les bateaux. Voilà, puis bah désarmé tant qu'à faire. Crac. Moi je prends le militaire là. Bon bah. Ouais. Ah mais je vais tellement me faire défoncer, je suis en train de m'enfuir avec mes troupes quoi. C'était pas prévu, c'était pas souhaitable non plus. C'est clair. Ah non, c'est clair. Elle pop quand ta rébellion type. Bah 90%, donc je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils me viennent dessus. Mais au secours! Mais laissez-moi en paix! Je voudrais couper le financement de mes troupes. Mais bon, j'attends que ta rébellion pète. Oui, je suis désolé. Bah c'est pas grave, c'est pas ta faute. Non, ils vont me défoncer. Putain, mais... Mais non. Et France, t'es où, France? Viens là, France. Ouais, colle-lui le train. De toute façon, avec ces Space Marines... Par contre, là, on a deux de nos alliés qui se mettent dessus, quoi. C'est vraiment, vraiment trop con. Ouais, il faut Oh non! Merde, il y a des gens qui me versent des subsides, j'ai pas vu c'était qui. Putain, je vais me faire choper! Bah, on s'en fout d'où vient le pognon! Non? Ouais, bah, de toute façon, on va se faire défoncer donc. Techniquement. Voilà, ça c'est fait. Ah putain! Allez hop, on rentre au Finistère, les gars, c'est bon. Bah, au pire, si tu veux, fous le camp, viens chez moi! Ah, il faut que je puisse traverser, je me suis fait défoncer mes bateaux. Non, mais là c'est bon, je suis au Finistère, protégé derrière mes deux forts, il y a moyen quand même. C'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. Putain de galère. L'Angleterre, elle en est où, là? 18 000 hommes. Il y a une petite 21 000 hommes, elle est pas si forte que ça quand tu regardes quand même. Ah ouais, mais non, mais la dernière fois, c'était le Portugal qui nous avait mis dedans, hein. Ouais, c'est le Portugais qui nous a bien bien emmerdés. Bon, si tu veux, tu peux partir avec tes troupes, hein, je pense que ça pètera pas, en fait. Bah peut-être que ça pètera, mais je suis pas certain. Allez, on va aller filer un coup de main aussi, histoire de dire qu'on a aidé. Agitation, 1,5. Putain, on va se prendre emprunt, bordel. Ça alors, la France veut bien d'une alliance maintenant? Bah non. Bah je vais pas accepter. Oh, même avec des impôts de guerre, ça passe pas, putain. Ah, la confiance que la Castille me portait a baissé. Hein? Alors que t'as refusé? Parce que j'ai trahi. Oui, mais j'ai trahi mon allié. Ah ouais. Et la trêve avec l'Angleterre est terminée. Va-t-il en profiter? Peut-être. Ouais, bah en même temps, il aurait raison. Il aurait tort de se priver là. Il emmène le Portugal et puis c'est la fête quoi. J'avoue. Ah ouais. J'avoue que ça foutrait bien la merde. Moi j'ai commencé à faire un réseau chez lui histoire de l'emmerder. Bon, peut-être pas qu'il va oser déclarer la guerre à la Castille, mais bon. Ouais, ah, ça serait couillu quand même. Troubadour itinérant, oui! Un stab supplémentaire, merci. Bien joué. Merci. Je n'ai plus de risque de rébellion. Bon, bah... Merci salut. Pour votre aide. Mais avec plaisir. C'était un plaisir. Et tu vas où? Ah bah, tu rentres chez toi. Bah, ouais. Mais ouais. Je reviendrai très vite si besoin. On a remporté le siège. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais... Ah putain, les éventes pourries, ça suffit. Me laissez pas derrière les gars, c'est quoi ça? Le prestige. Perte de 1 sur la valeur fiscale du Finistère, mais what? T'es sérieux? Morale terrestre moins 10. Bon bah, morale terrestre moins 10, vous disons. Brabant a annoncé que Bretagne était son rival. Mais quoi, procès remonté ça? Je peux prendre une tech, mais un comme d'hab avec le massacre de l'institution à éviter. Bon, je pourrais pas aller piller des trucs en paix là. Vite fait. Viens là. Bon, on va baisser la maintenance de l'armée à zéro. Non, mais arrête la France, je veux plus être ton allié. Bordel. Ouais, moi aussi, je vais baisser ça à zéro en espérant que ça tienne. J'ai pu recruter un conseil.
Truc de malade. Attention, tu vas finir par être riche. Ah, oui, d'accord, je vois le genre. Non, non, je vais pas finir par être riche. Attends, je suis en positif, c'est un truc de fou, vu que je pille. Ça fait un moment que c'était pas arrivé. Ah, les relations avec les états pontificaux sont au max. Bah, France, tu m'aimes, non? Le sang va couler, la Moscovie va attaquer la Grande Horde. Qu'est-ce qu'on en a à cirer à un moment? T'as combien d'hommes, cher collègue écossais? 14 000. Comment ça, on peut plus revendiquer? Alors, en soi, je peux en avoir plus, mais j'attends de rentrer un peu d'argent. Ouais, je comprends, ouais. J'en ai déjà refait, hein, parce que j'en avais plus que 7 000. Comment ça, vous êtes pauvre? Je ne comprends pas. On est peut-être pauvre, mais nous, on n'est pas en guerre. Bah, après, là, non. Moi, je suis en guerre et pauvre, monsieur. Attention, un peu de respect. Bah, en ayant mis mon revenu à zéro, là, je suis passé à 4,74, donc c'est pas mal. Mais par contre, bon, j'ai toujours 8 emprunts, quoi. Ou 7. Ah, j'en ai 2. Hein. Mais il suffit de gagner une guerre, et puis après, l'Angleterre paiera. Oui, ce serait pas mal. Mais il faudrait trouver du petit avant, tu vois, des petits trucs tout merdiques à attaquer. Ah, le problème, c'est que ça manque, quoi. Ouais. Ah, il y a toujours l'Ophalie, hein, mais il y a Danemark derrière, quoi. Ah, mais Danemark, est-ce qu'il serait pas un peu en galère, Danemark, dis-moi? Ouais, il a l'air d'être plutôt... Il a l'air pas frais, Danemark, là. Les Ottomans ont lancé leur âge d'or, pourquoi pas. Ok, très bien. Moi, je suis en train de cirer les pompes du Portugais, des fois que ça le dissuade de participer aux festivités. Pas con, ouais. Ouais, on peut faire ça, allez. Justement, mes mecs savent pas quoi faire. Je vais voir, si je déclarais la guerre à Ophalie, ça se passerait comment? Ouais, tu t'occupes pas de mon alliance, hein, bien sûr. Ouais, ouais, mais on est d'accord, mais le Danemark viendrait pour l'instant, mais combien de temps? Pour combien de temps il viendrait, le Danemark? Je ne sais pas. Allez, 49%. Il y a des trucs à piller encore ici? Non, il n'y a plus rien à piller ici. Alors bien sûr, les sièges à 16% qui tombent, hein, on a jamais vu ça. Hein. Ça n'existe pas. Allez, allez. Oh là là, mais... Allez là, sans déconner les gens. On repère des sous avec vos conneries. Eh mais ça fait 4 ou 5 jets de dés qu'on est bloqué à 49%, c'est une blague. Mais tu vas y arriver, j'ai toute confiance en toi. Je suis à 1 dessous, si on fait encore un jet pourri, je reprends un emprunt. Ah, c'est tombé, bordel. Allez, hop. Il me reste 2 emprunts. Ah, pas mal. Je vais peut-être commencer à reprendre quelques troupes. Relation avec la Castille, bah ouais, mais la Castille elle veut pas s'allier. Il faudrait que je m'entraîne aussi parce que nos troupes sont merdiques. Bienvenue mec. Entraînement, allez. Ah bah si tu peux payer tes troupes, fais-toi plaisir. Hein. Bah ouais, enfin. Au pire, ça contrebalancera simplement mon prestige de moins 50. Ah ouais, moins 50, ça commence à être violent. Ah bah ouais, ouais. Bon, l'institution, c'en est où, là? Dans le Rennais, bientôt. Putain, c'est la teuf. On a qu'à faire ça, au pire, non. Va t'entraîner, toi! Glandeur. Bon, le rien, là. Prêt repoussé. Mais je sais que les prêts sont repoussés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah, avec un peu de bol, ça va me faire des points de faveur, cette guerre, quand même. Par contre, tu iras t'occuper des 30 000 mecs en bas, tout seul, hein, français. Je vais te le dire. Je peux voir combien d'hommes en fait. Là, ça voit. C'est intéressant. Je peux monter à 11 000 hommes. Qui est bien, mais pas top. Bah. Ouais, je peux monter à combien moi d'ailleurs? Ah, 12 000, c'est mon max. Hein. Pas de miracle. Je continue d'augmenter ma capitale. On va laisser tomber les impôts de guerre. Comme ça va passer. Oh, ouais, c'est rentable. Un siège à 7% qui ne tombe pas. Ça alors, la surprise. Eh mais tu vas où français là? Pourquoi tu te tires? Ouais non, je peux pas. Je peux pas entraîner mes troupes et rembourser mes emprunts. C'est non, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Pour faire des choix.
Ouais, le choix, ça va être assainir les finances, un petit peu d'austérité. Ouah, putain, ouais, 17 000 bourguignons voilà. Qui se ramènent. Non. Donc, heureusement que notre cher ami le Breton donne un peu de suspense à cet épisode. Ça ah, divertit suspense, pendant qu'on se refait. Je sais pas trop si on peut parler de suspense, hein. Je pense qu'on va les éclater. Ah, mais... si je perds 25 en prestige et 25 en légitimité, j'ai un général de 100 de tradition qui apparaît. 100 de tradition, c'est possible ça? Ouais. Donc c'est le. Mais par contre, derrière, j'ai moins 75. Ça fait peut-être beaucoup moins 75 quand même. De prestige. En prestige. Perte de 1 en stabilité ou perte de 1 en stabilité? Qu'est-ce que vous en pensez hein? J'hésite. Franchement. Franchement, ouais, je suis pas convaincu non plus. Hein. J'hésite un peu. Ouais, les clairs gueules du coup. On peut leur. Mais ça se passe comment votre guerre là? Ça gagne ou ça perd? Bah, pour l'instant, on est plutôt en train de. Vous imaginez que ça gagne quand même? Ouais, ouais, on est à 80%, donc ça va quoi. Je vais peut-être lui filer des trucs parce que sinon. Bon, Danemark, t'as pas envie d'arrêter de faire chier là, de protéger un truc tout moisi, putain. Non, je me pose deux secondes, c'est quoi l'objectif de guerre? La province légitime de Charolais. Charolais? C'est en Bourgogne le Charolais, c'était chez moi. Ouais, mais je pensais que c'était déjà à lui en fait, mais. Bon, moi j'ai l'Artois, ça va, il va pas m'emmerder. Parce il l'avait perdu, il l'avait perdu pour une guerre. Pour Guignon, le Charolais. C'était à eux à la base, ouais. Oui, ils l'ont perdu, oui. Ils l'avaient, mais ils l'ont plus. C'est ça. Bon, est-ce que je peux pouvoir piller suffisamment pour rembourser mon dernier emprunt? C'est la question. Ah, mais je voudrais piller, moi aussi. Ça dépend tellement du Danemark qui nous emmerde, là. Ah, il y a 13 à piller sur cette province, on va rester un peu. Je vais faire une église, wouhou. Oh, mais les mecs, ils ont de l'argent pour faire des bâtiments, c'est ouf, ça. Non, bah, mais attends, t'es fou. Non, mais je me dis que vaut peut-être mieux faire une église qui gagne 0,20, ça va me servir sur le long terme. Ah ouais, mais évidemment, c'est une très bonne idée, moi aussi. Ah hein. Bah ouais, carrément. Si je pouvais faire des églises, j'en ferais, y'a pas de souci. En revanche, j'ai repoussé deux emprunts. On peut pas tout faire. Hein. Ouais, je comprends. Bon, ok, je te le donne, l'Artois, c'est bon. Les mecs qui gueulent, ils passent leur temps à gueuler dans ce pays. C'est un truc de malade. Il va reprendre le Dijonais là, qu'est-ce que tu fous français, putain, je l'ai pas pris pour tes beaux yeux. Bordel. Bon, il faudrait que cette guerre ne soit pas trop longue là, parce qu'on a du boulot, hein. C'est pas tout bah, ça, mais... écoute, on est à 82%, je sais pas trop bien ce qu'il veut de plus, quoi. Ah, je peux... Ouais, putain, et on vient de perdre le Dijonais, quoi. Oh. Le Dijonais. Ah mais j'ai que 12 000 hommes, hein. Je peux pas aller me faire le Bourguignon tout seul, quoi. Il faut qu'il se bouge le cul, le français, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur la Flandre, non mais sérieusement. Il en est où, l'Anglais, là? L'Anglais, il a perdu des hommes. Il en a plus que 19 000. Oh là là, et on peut même pas lui tomber dessus, c'est la tristesse, quoi. On pourrait se le faire à 3, l'Anglais, quoi. Le signe noir est grave à la traîne. Ah bon, c'est faux. C'est bon. Je proteste. Ah oui, merde, le mec qui s'est fait repérer, au fait, là, chez l'Anglais, justement. Accueille un inventeur hostile. Je sais pas pourquoi j'ai accueilli un inventeur, de toute façon, on est nul en tout. Bah, il est hostile, donc... ça doit sûrement être pour ça. Mais vous êtes que tech 5 militairement parlant. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah bon. Bah ouais. Vous cacherez pas que c'est juste? Bah oh, putain, ils sont passés 6. Cachera pas que oui. Ah là là. Pff, la tristesse. Pourquoi je perds des sous là? C'est quoi la blague là? Pillez-moi cette province. Tu bluffes, perds pas de sous. Voilà, on gagne des sous. Bon, à un moment, faut en terminer, par contre, là. Ils sont où tes forts, au fait? C'est la marche, là? Marche occidentale? Ouais. Ah, il faut vraiment, vraiment en profiter dès que possible. C'est mon seul, hein. Oh, c'est le merdier total en Castille. Il y a des partisans castillans au large. Bordel.
après je pourrais limite reprendre plusieurs emprunts et en construire un autre de fort à la marche orientale, mais c'est vraiment intéressant. Non, un seul c'est largement suffisant. Ouais. Il faut juste leur tomber dessus quand ils attaquent, tu restes en défense et voilà. C'est ça. Comme on a fait l'autre fois, faut juste qu'ils tombent pas à 7%. Ouais, c'est le genre de détail qui a son importance, quoi. C'est le genre de détail qui peut jouer, quoi. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça, mais bon. Ouais, bah je vais prendre des emprunts pour prendre la renaissance, là, ça va bien deux minutes. Là. Dès que c'est pris, ici... Oh, vous voyez un émissaire au pape, mais je peux faire ça. 52%, mon cher pape. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, moi, je peux pas, je crois. Du mercantilisme... Non... Obtenir le pardon pour mes péchés d'avarice. Ok, en voilà une bonne idée. C'est vrai que je pêche beaucoup. Ouais. Ils sont partis tabasser tout le monde, là, les mecs. Moi, je suis derrière en train de piller des trucs tout seul. Je pense que je vais récolter la dîme, hein, les gars. Petit impôt supplémentaire, là. Vous êtes sûr de vous, là, les gens? Non, vous allez vous faire faire du bien, ça là. Bah ouais, faut prendre, hein. Tiens, c'est la première fois que je vois un bonus de terrain en positif. Yeah. Cool. Bon, français, enfin, tu te fous de ma gueule là ou quoi? C'est quoi la blague là? Mais tu lui as filé les sièges que t'as pris? Bah ouais, j'ai rien là, tout est bleu partout, je sais pas. Pas en guerre. Moi, je reste à l'affût des différentes possibilités. Pour l'instant, il n'y en a pas énorme des possibilités, mais... Et il est où le français, du coup, là? Castille vient dans les Liège. Bah, il se balade. D'accord. Wow. Il y a des trucs qui sont en train d'assiéger Gênes. Il y a la Bourgogne qui l'esquive en faisant le tour du pays. Bah, je pense que là, il est reparti assiéger le Dijonais. S'il arrive à prendre le Dijonais, ça devrait être fini. Hein. Réputation diplomatique moins un, putain. Vraiment. Des barons... Attends, c'est quoi, ça? Ah, c'est fini. Ouh, c'est fini. Mais félicitations. Alors, Bretagne obtient 5 dessous. Enfoiré. T'as gagné 5? Ouais. C'était pique, mais en même temps, elle a versé 30 à la France, donc c'est pas mal d'en obtenir 5 sur 30, c'est déjà bien, quoi. Voilà. Et maintenant que la guerre est finie, alliance avec l'épisode la France. Aussi, hein, ça tombe bien. Bah ouais. 24 points de faveur avec la France, ça fait plaisir. Alors attends, j'avais un... Okay, moi je suis passé à 30 de confiance avec la France, c'est le drame. Alors qui c'est qui gueule? Les nobles ou les bourgeois? Les nobles, non. Ouais, les nobles, hein. Les nobles, ils gueulent, hein. On est d'accord, hein. Ah merde, les clercs, ils sont trop heureux. L'Angleterre s'est alliée avec les états pontificaux, d'accord? Ouais, c'est chiant. Ça dépend, si la France est avec nous, c'est pas chiant, l'état pontifical, il viendra pas chez nous. Hein. Non, c'est sûr. Ah oui, c'est la... Non, il faut attendre que la Castille soit un tout petit peu plus en état, là, parce qu'elle est quand même pas fraîche. Il faudrait que le Portugal parte en guerre, je ne sais où. Je vais essayer de voir, moi, si j'attaque l'Angleterre, est-ce que la France, avec tous ses points de faveur, elle viendrait pas. Mais on regarde ça en off, du coup. Parce ouais, que, ouais. L'épisode doit être terminé. Laisse-moi je deux crois. Secondes, je vais rentrer les troupes au pays et puis on s'arrête là. Ok. Je suis en exil. Là. En plus, il y a les clercs qui viennent de gagner 10 d'influence. Ça fait un désastre dans la tronche, comme ça, c'est cadeau. Un désastre? Ouais, tu sais, désastre imminent. Ouais, je vois. C'est effectivement bien le bordel en Castille. Ok, ouais. Bon. Bah, du coup, petite pause. Hein. C'est les foins total. Ah, il s'est tellement fait plaisir sur la Bourgogne, du coup, le français, quoi. Bon, bah, limite, tant mieux pour l'instant. Ouais, c'est clair. Tant mieux, ouais. Je préfère qu'il grossisse de ce côté-là que vers moi. Ouais, mais complètement. Ou vers l'anglais, ouais, effectivement. Ok, bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le point de vue de Tiberians sur sa chaîne, le lien est dans la description comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous, et merci à vous deux. Bye bye. Bye bye, merci.